Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer l'option de développement ou bien l'option développeur sur votre téléphone Android. Parce que vous entendez souvent des gens qui expliquent des tutoriels en YouTube et ils vous disent par exemple activer l'option de développeur, mais ils n'expliquent pas comment le faire. C'est pour ça que j'ai fait ce tutoriel. Voilà. Donc pour l'activer, vous devez faire comme moi s'il vous plaît. Vous allez exactement dans les paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous descendez en bas jusqu'à ce que vous trouviez à propos du téléphone. Ou bien mon téléphone. Ça dépend de la marque de votre téléphone. Et puis, vous cherchez information sur le logiciel. Là, je suis sur Samsung Galaxy A30. Donc, vous cliquez sur information sur le logiciel. Ensuite, et là, vous cherchez numéro de version. Et comme vous pouvez le constater, il est là. Numéro de version. Vous cliquez 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, vous faites votre schéma ou bien votre mot de passe. Parce que normalement, quand vous cliquez 7 fois, ça va vous afficher ça. Là, je vais mettre mon schéma. Et puis, le mode développeur a été activé, comme vous voyez le pop-up qui apparaît. Et là, vous allez voir, vous faites arrière, arrière, et là, vous allez voir, apparaît en bas, option de développement. Maintenant, vous savez comment activer l'option de développement dans votre téléphone. C'est à peu près la même chose pour les autres marques de téléphone, que ce soit Samsung ou autre. Vous cherchez les synonymes des mots. Comme information sur le logiciel ou bien logiciel, vous voyez. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire en dessous de la vidéo. Et à la prochaine pour une autre vidéo.